Et maintenant, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un dîner avec Woody Allen. Tu l'aimes bien, non? Ma fille est pharmacienne. Tenez, allez la voir. Je cherche ton père. Il recrute pour Alice. Mais c'est pas vrai, ça. Me marier dans l'année, il n'y a que ça qui l'intéresse. Taxi! Taxi! Je vais attendre avec vous, c'est plus prudent. Je me suis pas présenté. Victor Blanc. Alice Ovitz. Comme ça, vous aimez Woody Allen? C'est marrant, j'ai jamais été attiré par ces films. D'ailleurs, je crois que j'en ai vu aucun. Jamais? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vous raccompagne ou je vous conduis aux urgences? Alors, en fait, j'ai acheté un film de votre copain. J'ai peur que ce soit un petit peu trop fin et pointu pour vous. Si c'est drôle et émouvant, je peux pas être cueilli, moi. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Vous voulez pas déjeuner avec moi? Non, coucher à la rigueur et encore. Vous faites ce que vous voulez, je suis pas votre genre, je suis pas votre genre. Pourquoi vous êtes seule? Je le suis plus. Il est beau, il est gentil, il aime l'art. Vous en parlez comme d'un dieu, méfiez-vous. Vous êtes un grand optimiste. Il faudrait que je vous présente ma famille. Vous allez voir ici, on respire la joie et la sérénité. Dites-moi, ça fait longtemps que votre beau-frère trompe votre sœur? Allô? Se tromper sur les gens qu'on aime, c'est normal. J'étais pas préparée à ça. C'est faux. Ces films ne parlent que de ça. De couples qui se retrouvent, qui s'aiment plus, qui se trompent. La vie, quoi. T'en es où avec Victor? Avec Victor? N'importe quoi. Vous sentez bon? C'est votre maximum. Et vous, elle est où, votre folie? C'est vrai, je sais rien de vous. À part que ça devait être une belle salope, celle qui vous a rendu comme ça. Vous chantez bien? C'est votre maximum?